Frère Maxime, yo, la paix bon Dieu avec nous. Moi, content de retrouver au matin, hein, dans méditation parole bon Dieu. Forme d'eau, semaine ça, moi, t'ai gagné un peu la joie dans le parce que t'es d'accord, prêtez nous attention, dans une belle série comme ça. Ma propre loquée, série nous semaine ça, t'ai gagné pour titre, comment trouver de la force pendant les difficultés. Texte de base là, nous croyons songer, c'est Isaïe 40, verset 29 et 31. Nous te dit dans série ça la vie n'est pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais possibilité pour nous vivre, li son bénédiction et pendant n'a vivre dans quoi ça n'a fait face à des difficultés. Mais il y a des difficultés qui pas même avec l'autre, qui qu'on venir pour décourager nous, retirer nous dans présence bon Dieu. Mais nous te dit même Jean-Paul te dit avec chrétien Éphésio, dans Éphésiens 6 verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et vraiment avec ce mieux pendant la série ça, semaine ça, nous te pour trouver de la force pendant les difficultés, ou besoin de développer quatre attitudes ça. C'est premièrement compter sur l'Éternel. Deuxièmement, c'est rechercher constamment la présence de Dieu. Et pas plus tard que hier, nous te troisièmement qui c'est méditer les promesses de Dieu. Je dis à nous, le quatrième moyen qui est capable de permettre tout, jouer une force dans un moment difficile ou dans une difficulté, c'est avoir une perspective éternelle. Ah, moi, mais quatrième moyen, ça empile, avoir une perspective éternelle. Chaque moment avec où nous sommes mis en souffrance, nous sommes mis en difficulté, nous devons rappeler que bon Dieu promet nous une consolation éternelle. C'est à travers espoir ça, espérance ça, que moi-même avec vous, capable de jouer une force dans mes temps de difficulté. Paul te dit avec chrétien Colossiens comme ça, dans Colossiens 3, verset 1, rive dans verset 3, il te dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire, le moment avec un moment difficile, nous d'accord, gagner une perspective éternelle, nous avons certain de choses, nous avons certain de bagages. Nous connaissons que la vie nous est cachée dans Jésus-Christ, puisque la vie nous est cachée dans Jésus-Christ, nous avons espérance éternelle. Nous pour lui, la bonne sécurité, par tout côté nous passer. Et moi-même avec moi en tant que chrétien, songez ça bien. Puisque nous identifions nous avec Christ, les cacher nous dans lui, la ba nous sécurité, nous pour lui, la protéger nous. Et même le nous souffrir avec lui, c'est pour nous capable glorifier avec lui. À travers promesse que bon Dieu fait nous, consolation éternelle là ou bien perspective éternelle là. Il y a trois promesses que nous devons méditer sur lui chaque fois que nous mettons en difficulté. Première promesse, nous devons méditer sur lui. Nous devons pour nous partager la gloire de Dieu avec lui. Parce que lorsque Christ va glorifier et honorer, lorsque tout genou va fléchir devant lui, même Jean dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11, nous même en tant que saints, nous avons partagé gloire ça et nous avons honoré avec lui, parce qu'il a bon côté pour tout le temps. Deuxième réalité de perspective éternelle, nous, eh bien, la gloire que nous gagnons aujourd'hui pour nous supporter souffrance chrétienne en présent, eh bien, c'est lui-même qui va le faire nous lever dans la gloire éternelle. C'est ça que fait Paul dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Elle dit même les souffrances, dit même les difficultés, dit mais pas qu'à comparer avec la gloire éternelle nous. Troisième bagage nous doit gagner dans la perspective éternelle nous, nous va recevoir des récompenses réelles dans le Christ. Elle dit l'a bien pour lui récompenser nous, l'a bien pour lui dire nous vini bon et fidèle serviteur. Dans récompense réelle yo, n'a bien pour nous rien avec Christ dans le royaume à venir là. Et n'a bien pour nous recevoir couronne qu'elle promet avec soldats, avec monde qui combat le bon combat de la foi. Et nous allons recevoir félicitations dans le Christ parce que nous sommes fidèles
dans toute bagaille. C'est ça que fait, m'est venu pour m'encourager, frère Sam, malgré un moment difficile, pas quitter difficulté, il faut décourager, mais c'est pour trouver force dans moment difficile. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. En Christ, nous avons consolation éternelle. Nous finissons avec verset ça. C'est Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Même le gain douleur, je dis, il y a gain larmes. Il y a la mort qui fait rage, il y a deuil, mais pas oublier, bon le cap arrivé, pas gain bagaille ça yo, parce que n'a rentré dans la gloire pour le temps et pour l'éternité. C'était serviteur pasteur Ismaël, que le Seigneur capable bénir. En nous la prière. Merci Seigneur pour parole. Merci pour belle semaine ça que tu fais nos cadeaux. Côté que nous t'a apprendre connait comment nous capable gagner force dans moment difficile yo. Aidez-nous Père Saint pendant moment difficile ça yo pour nous capable compter sur vous. Pour nous capables chercher plus d'avantage, pour nous capables rappeler nos promesses sur yo, et pour nous capables gagner une perspective éternelle. Béni peuple, et merci pour ces victoires qui t'a parlé. C'est la prière que nous adressons au nom de Jésus qui vivait qui règne au siècle des siècles. Amen. Belle série ça qui t'a gagné pour titre. Faisons le meilleur choix. Comme nous t'ai dit déjà tout au début, série ça que en tant que humain n'a toujours face à des choix. Parce que la vie est composée d'un ensemble de décisions, un ensemble de choix. Plus on fait bon choix, c'est plus la gagne bon impact dans la vie. Et si on veut faire meilleur choix, même, c'est sûr et certain, on va toujours joindre meilleur résultat. Pas oublier. Grande décision, gros impact, petite décision, petit impact. Ça fait. Moi-même avec vous, on n'a pas pris exemple un ensemble de personnages dans la Bible qui t'ont fait mauvais choix. Par exemple, Adam qui t'a fait un mauvais choix, Caïn qui t'a fait un mauvais choix, Lot qui t'a fait un mauvais choix. Mais nous songez, Joseph lui t'a fait un bon choix. Lorsque il était devant tentation face à Madame Potiphar, il t'a fait un bon choix. Daniel, c'est un monde qui t'a fait un bon choix. Nous songez, il t'a dit mon roi, m'a pas adoré statue que vous fait faire. C'est-à-dire il t'a pris un bon choix, un choix qui réfléchit et nous bon Dieu t'a campé avec lui par rapport à choix qu'il t'a fait. Nous songez Saül, il t'a fait un mauvais choix et l'Éternel t'a rejeté. Nous t'a ouais pendant série là, pendant semaine ça, pour capable briver faire un meilleur choix, première condition, c'est pour choisir avec la sagesse divine au lieu de la folie. Deuxième façon pour capable de faire un meilleur choix, c'est choisir en accord avec la parole de Dieu. Pas plus tard que hier, nous te voyons une troisième façon chrétien capable de faire un meilleur choix, c'est le lui tendre la voix de Dieu et lui suivre conseil, savoir écouter la voix de Dieu pour suivre son conseil. Jodi a nous allons finir avec un quatrième. Même si c'est pas dernier, ou ka gen l'autre document ou ka gen l'autre ouvrage pour consulter qui bo plusieurs autres moyens, mais selon Seria nous t'ai réservé 4 pour. Quatrième moyen pour un chrétien capable river faire un meilleur choix, c'est décider dans le Saint-Esprit. Frèmsem, actuellement là grand pile monde qui pensait l'église là li pour compte li. L'église là li pas pour compte li. L'église a gagné le Saint-Esprit qui a mené lui. Et ça fait plus en tant que chrétien, moi-même avec vous, nous compter sur Saint-Esprit dans choix nous yo, dans décision nous yo, c'est sûr et certain, n'a pas arrivé faire bon choix et prend bon décision. Même gens pour un chrétien capable de joindre le salut, faut qu'il passe par Jésus. C'est même gens tout nous même en tant que chrétiens pour nous capable progresser, pour nous capable faire bon choix, nous besoin passer par Saint-Esprit. Jésus ba nous un consolateur. Et dans Jean chapitre 14 verset 26, il dit consolateur ça, c'est lui-même qui est là pour conduire nous dans toute vérité et c'est lui-même qui est là pour capable orienter nous
nan chwa nou yo. E pou chwa nou yo kapab meye, fò nou konte sou Saint-Esprit. Le nou chwazi, an akò avèk l'Esprit Saint, se pa panse chanel nou ki pran le desu sou chwa nou yo. E le ou d'akò chwazi an akò avèk le Saint-Esprit, ou elwanyi yo de tout foli, de tout panse les om. E chwa ou yo, yo dirije unikman pa le Saint-Esprit. E le ou rive fè chwa, lò ou konte sou Saint-Esprit, ebyen la bò disenyman. Gen de situasyon trouve ou, ou kare le zami, ou pou ko jam kawè sa pou fè. Ou kare le yon pasteur, ou pou ko jam kawè sa pou fè. Ne map invite ou, kelke swa chwa ke ou ou vle fè, ou trouve ki depase ou, ki depase tout zami, ki depase tout moun, tourne ou vè le Saint-Esprit. Se seul li menm ki kapab bò ou meye orientasyon e pèmèt ou fè bon chwa. La bò disenyman, la pèmèt ou diferansye dezir chanel yo, pasyon yo, e la pèmèt ou wè eske sa li dakò avèk volonté bon Diyo. Vekèm pou nou, frèm sèm, se pou nou pwidan. Je di an wè gran pil l'Eglise ki pren nesans sou internet, yo di tout kalite parol. Yo menm pousse moun a pran de mouvèz desizyon, men ou menm sonje, ou bezwen fè meye chwa. Pou fè meye chwa, frèm avèk sèm yo, pa bliye nou te di ou ke se pou chwazi avèk la sajès divin ou liye de la foli. Nou te di ou ankon yon fwa, frèm avèk sèm yo, pou kapab fè meye chwa, se pou chwazi an akor avèk la parol de Diyo. Nou te di ou, fòk ou tande la vwa de Diyo pou suiv son konsey, e maten nou te di ou, pou kapab fè meye chwa, se pou deside an akor avèk le Saint-Esprit. Deside nan le Saint-Esprit, sou rive fè sa. Men benediksyon kap tan nou. Nou sonje, kote nou te fèt lektu nou nan tap komanse ya nan Deutéronome chapitre 30, verset 19-20, li te di, mwen mette devan ou, la vi, la mor, mwen mette devan ou, bénédiction, malédiction, li te di, choisi la vi, afin que tu vives toi et ta postérité. Le nou fè meye chwa, men pitit nou va béni, e pitit nou li va béni. Le sa nap remè bon Dieu, nap obéi avèk la voix de Dieu, nap attaché avèk bon Dieu. E sa fè m'encourage ou, sou bezwen remè bon Dieu, ou bezwen obéi a voix li, ou bezwen attaché avèk li, mais elle dépend de choix que vous avez pour faire dans la vie. Je suis content avec vous. À bientôt. C'était cette vidéo, Pasteur Ismaël. Que le Seigneur est capable de bénir. À nous la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour belle semaine ça que vous avez fait nos cadeaux. Merci pour chaque monde qui vous avez fait possibilité pour tendre des séries de méditation. Ça yo. Nous avons demandé capable de bénir. Permet au Dieu qui est capable de pratiquer tout ça que vous avez tendé et pour le capable de grandir. Et orienter yo dans choix que yo va faire. Nous connaît grand pile monde qui attendait nous pendant semaine ça qui gagne des choix difficiles pour yo faire. Mais n'a mande autant pri. Aider yo à faire meilleur choix et comme ça yo va vivre. Petite yo va vivre. Papa nous compter sur, c'est la prière que nous adressons au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen.